Je veux dessiner des maisons à l'aide de cure-dents. Par exemple, si je veux dessiner une maison, eh bien ça donne ça. Un mur ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième et le toit, comme ça. Donc ça, c'est ma première maison. Maintenant, si je veux construire une deuxième maison avec des cure-dents collés à la première, il me faut un cure-dent ici, pas de cure-dent ici parce que les deux maisons partagent le même mur, un cure-dent ici, un ici, un ici et un ici. Et ça, c'est ma deuxième maison. Pour faire une troisième maison, je continue de la même façon, avec un cure-dent là, un autre là, un là et un là. Et ça serait ma troisième maison. Et on aimerait bien savoir combien il nous faut de cure-dents pour faire tout ça, ou pour construire 50 maisons comme ça, ou 500 même. On va faire un petit tableau ici, avec à gauche le nombre de maisons, et dans la colonne de droite, pardon, je vais dessiner un trait un peu plus droit, dans la colonne de droite, le nombre de cure-dents qu'il faut. Le nombre de cure-dents. On a dit que pour une maison, il nous fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cure-dents. Pour deux maisons, combien est-ce qu'il me faut de cure-dents? Il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en faut 11. Pour trois maisons, il faut combien de cure-dents? Il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il en faut 16 pour 3 maisons. Et si je voulais dessiner une quatrième maison, il en faudrait 16 plus 1, 17, 18, 19, 20, 21. Il faudrait 21 cure-dents pour 4 maisons. Et maintenant, si je veux savoir combien il en faut pour 50 maisons, imaginons que je continue ici et que là j'arrive à la 50e maison. Donc, ce trait-là, je vais le dessiner en pointillé parce qu'en fait, ça va être le mur droit de la 49e maison. Donc ça, c'est ma 50e maison avec son toit comme ça. Et j'aimerais savoir combien de cure-dents il m'a fallu en tout pour construire cette rangée de 50 maisons. Bien, je ne vais pas continuer à les dessiner et à les compter parce que c'est une méthode qui est un petit peu longue quand même. Donc on va essayer de trouver une expression mathématique pour trouver le nombre de cure-dents qu'il faut pour construire 50 maisons. Comment est-ce que je fais pour passer de 1 à 2 maisons? Bien, je passe de 6 à 11, pardon, cure-dents. Et pour passer de 6 à 11, qu'est-ce que je fais? Bien, pour passer de 6 à 11, j'ai fait plus 5 cure-dents. Maintenant, si je veux passer de 11 à 16, qu'est-ce que j'ai fait? Bien oui, j'ai fait encore plus 5 cure-dents. Et si je veux passer de 16 à 21, qu'est-ce que je fais? Tu as raison, il faut encore ajouter 5 pour passer de 16 à 21. Donc en fait, on passe d'un nombre de maisons données au nombre suivant en ajoutant 5 cure-dents. Donc on va essayer de trouver une façon d'écrire ça mathématiquement. En fait, ce qu'on fait ici, on va regarder un petit peu, ce qu'on fait ici, c'est que pour trouver 11, je suis partie de 6 parce que j'avais déjà une maison de construite, donc 6 cure-dents, et j'ai ajouté 5. J'ai fait plus 5. Pour trouver 16, qu'est-ce que j'ai fait? Bien pareil, au début, je suis partie d'une maison avec 6 cure-dents, et j'ai ajouté 5 une fois, 5 deux fois. Donc en fait, j'ai fait 6 plus 5 fois 2. J'ai ajouté 5 deux fois. Maintenant, si je regarde pour 21, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis partie de 6, pareil, de la première maison, et j'ai ajouté 5 une fois, deux fois, trois fois. Donc 21, c'est égal à 6 plus 5 fois 3. On commence à avoir une expression qui pourrait nous permettre de trouver le nombre de cure-dents pour 50 maisons. 6 ici, on peut aussi l'écrire avec quelque chose qui ressemble à ça. Parce que regarde, 6 plus 5, c'est la même chose que 6 plus 5 fois 1. Et 6, c'est en fait la même chose que 6 plus 5 fois 0. Et ça, on peut encore l'écrire d'une autre façon. Parce qu'en fait, si on dit cette expression avec des mots,
Ce qu'on fait, c'est que pour n'importe quel nombre de maisons, eh bien, on prend le nombre de maisons, on lui enlève 1, on prend 6 et on additionne 5 fois le nombre de maisons moins 1. Regarde, ici, par exemple, on va commencer pour 4. 21, c'est la même chose que 6 fois 5, pardon, 6 plus 5 multiplié par le nombre de maisons, 4, moins 1. Et on peut faire la même chose aussi pour 16. 16 est égal à 6 plus 5 multiplié par le nombre de maisons, 3, moins 1. On peut faire la même chose pour 11 aussi. 11 est égal à 6 plus 5 multiplié par le nombre de maisons, 2, moins 1. Et pareil pour 6. 6 est égal à 6 multiplié par, pardon, plus 5 multiplié par le nombre de maisons, 1, moins 1. Et 1 moins 1, ça fait bien 0 qu'on a ici. Donc en fait, on a trouvé l'expression qu'il nous faut pour compter le nombre de cure-dents qu'il va falloir pour construire 50 maisons. Donc on va le faire ensemble, pour 50 maisons. Imaginons qu'on continue ici notre tableau, et là j'arrive à 50 maisons. Donc on a dit que pour trouver le nombre de cure-dents, il fallait prendre 6 plus 5 multiplié par le nombre de maisons, c'est 50, moins 1. Et ça, ça fait combien? Eh bien, ça fait 6 plus 5 fois 49. On va calculer 5 fois 49 dans un coin. 49 fois 5. 5 fois 9, ça fait combien? Ça fait 45. Donc, j'écris un 5 ici, je retiens un 4 ici. 5 fois 4, ça fait 20, c'est bien ça. Plus 4, ça fait 24. Je trouve que le nombre de cure-dents qu'il faut, c'est 6 plus 245. Ça fait combien ça? C'est bien ça, ça fait 251. Il va falloir 251 cure-dents pour dessiner 50 maisons en cure-dents. À une prochaine vidéo!